Voilà. Donc utiliser dans Carla, créer un set dans Carla plutôt. Créer un set dans Carla qui permet d'utiliser ZinAdSub qui est ici et FluidSound, CallFluidSound, un player de SoundFound qui est ici, en leur assignant chacun des canaux différents de telle manière à pouvoir voilà, jouer de la SoundFound d'un côté pour certains sons dont on a besoin, genre piano, violon, enfin, des cuivres, ainsi de suite. Et des sons synthés de ZinAdSub pour les autres, qui sont des sons beaucoup plus synthés, mais en même temps voilà, qui sont hyper intéressants à utiliser. Donc voilà, donc on a la possibilité de créer un set qui sera sauvegardé et qui après sera conservé. Donc on n'aura plus qu'à démarrer Carla et le set et les choses seront programmé de telle manière à pouvoir utiliser ça tout de suite sans avoir à reconnecter quoi que ce soit. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc comment on fait? Ben, tout simplement, la première des choses à faire, c'est dans Carla, il y a une petite configuration que j'ai changée. Alors j'ai pas essayé la single. Je suis passé en fait, il y a plusieurs config dans les process mode qu'on trouve dans Engine là. C'est le continuous rack, donc celui-là c'est un rack continu, tout se connecte en série je crois, et le multiple client c'est une sorte de système en parallèle, donc on peut indépendamment faire des connexions, et c'est celui que j'ai pris pour cette connexion car l'autre n'est pas enfin j'ai pas testé, mais voilà, me paraissait moins évidente à faire. Alors, comment on fait? Donc, il faut juste savoir que MIDI Channel Filter, c'est un programme qui permet d'activer et de désactiver des canaux. Voilà, car Colf ne sait pas faire ça tout seul. J'ai pas trouvé la manière de le faire et je pense qu'il sait pas le faire. Donc, il me fallait un filtre. ZinAdSub le fait lui, il n'y a pas de problème, on peut décocher un canal et le cocher, ce qui permet, là j'ai le canal 2, mais par contre le canal 1, bah c'est Colf qui l'utilise, et on voit bien que ZinAdSub, en le décochant, bah il fonctionne plus. Et si je le coche et que je mets un son, peu importe. Normalement. Je vais me faire mentir. C'est parce que je suis pas sur le bon canal. Voilà. Voilà. Donc pour éliminer un canal dans Zinad, on le décoche. Et ça marche. Par contre, dans Zinad, dans Colf FluidSynth, ça n'existe pas. Donc c'est ce petit module. C'est un LV2 qu'on charge, c'est dans les MIDI LV2. C'est toute une série de patchs, enfin de plugs plutôt, qui existent, qui sont ici. Voilà. Et voilà. Et on choisit Channel Filter. Une fois qu'on l'a mis, il faut le mettre après ZinAdSub, car il filtre, et avant FluidSynth. Mais en même temps, là, dans ce cas de figure, j'ai fait une connexion en multiple client, donc j'utilise Jack. J'envoie mon clavier qui est ici. Je l'envoie d'un côté à MIDI Channel Filter et de l'autre à ZinAdSub. Je ne l'envoie pas à Colf. C'est MIDI Channel Filter qui va à Colf. Pourquoi? Parce que c'est lui qui filtre en fait. Qui me permet en fait d'avoir un canal. Voilà. Canal 2 ne fonctionne pas sur Colf. Le canal 3 refonctionne. Et le canal 4, c'est ZinAdSub. C'est pareil. 2 et 4, c'est ZinAdSub. 1 et 3, c'est Colf. Et c'est
ce petit programme qui nous permet, voilà, de choisir les canaux qui seront actifs. À travers cette connexion, quand elle est faite, quand on a choisi notre set, qu'on a réglé notre set, il suffit de sauver le patch. On le sauve. Une fois qu'on l'a sauvé, alors on le sauve évidemment avec un nom qu'on lui a choisi, ainsi de suite, dans son dossier. Une fois qu'on l'a choisi, si je ferme, voilà, je quitte. Donc plus de clavier, plus rien du tout. Je cherche Carla. Hop. Je charge mon pad, mon set. Voilà, j'ai pas besoin de faire d'autres connexions, c'est prêt. Voilà, tout fonctionne. Donc, les deux programmes ont des canaux qui ont été assignés. Zinadsub en le cochant et FluidSynth à travers. À travers le petit MIDI Channel Filter. Voilà, ce qui permet d'avoir ces deux, comment dire, multicanal MIDI, soft multicanal, séquenceur multicanal, je ne sais pas comment on appelle ce genre de programme, ensemble sur un set. Et comme c'est des programmes qui fonctionnent plutôt bien, et eh bien autant les démarrer en une seule fois pour pouvoir jouer directement, ce qui permet d'enregistrer ou de faire du live sans que ce soit un casse-tête avec son set de préparé, un set bien préparé, et puis on est parti. Voilà.